Lambert est votre ressource en cas de bris d'équipement. Fiez-vous à sa main-d'œuvre qualifiée et à ses outils spécialisés pour que votre flotte d'équipement demeure concurrentielle. Une réparation efficace, une immobilisation minimale, votre solution pour demeurer dans l'action. Garage P. Auclair, votre spécialiste en redressement de camions et de remorques dompeurs. Le Garage P. Auclair fait également la vente, l'achat et la location de remorques dompeurs. Garage P. Auclair, 1325 Principal à Saint-Dominique. En direct de chez Lucien Chevrolet à Saint-Hyacinthe, nous avions envie de vous partager les coups de cœur de l'équipe sur la toute nouvelle Bolt 2022. Le véhicule a été totalement redessiné, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Passez nous voir en concession afin de continuer à la découvrir. OK, on est de retour. Joël Doiron nous parlait tantôt des jeunes. On a trouvé un. Will. Comment ça va? Ah ben, toi? Ouais, tu passes une belle fin de semaine? Hey, ouais, belle fin de semaine. On a coursé, on a bu un peu. Arrête donc. Pas vrai, ça. On s'est fait du fun. T'sais, oh, ça s'en vient. Dans 4 jours. 4 jours, pour vrai? Ouais. Ah, ouais. Vendredi, 18 ans. 18 ouais, ans? Même 3 jours. Hé là là! 18 ans. Ouais, ouais. Ah ben. Rendu un vieux de la vieille. Pas à peu près. Pas à peu près. Ah, comme ça, le One t'a fait tout un cadeau de fête. D'abord, finalement, t'asseoir dans une voiture modifiée, c'était inattendu. Ça, c'était pas organisé que le gars des vues, ça. Oh non, non, non. Moi, je te confirme qu'il y avait rien d'organisé là-dedans. Dans le fond, ça s'est vraiment décidé rapidement. Après le pit meeting, je marchais pour aller voir la track. Puis mon David Eba, il m'a fait signe. Je suis allé le voir. Puis la première question qu'il m'a posée, c'est « Tu pèses combien? » 140. Ah, je pensais que tu aurais répondu pas mal moins que toi. Non, non, je suis allé avec une réponse franche. Il okay, m'a demandé vraiment pourquoi. Là, il a regardé à Alexandre, puis il a dit « On a-tu le plomb? » Il a fait « Oui ». Puis le char, il a descendu. Puis 15 minutes après, j'étais assis dans le char, ça attraque en time trial. Quand même. Ok, ça s'est fait assez vite. J'ai même pas eu le temps d'appeler personne. Personne n'était au courant. Je pensais. On avait sorti ça avec les bouquets, mais c'était comme un peu une bonne joke qu'on voulait faire, tu sais, comme on fait tout le temps. C'est notre... Mais finalement, est-ce que ça a donné l'idée à Alexandre Vaugel? Là est la question. Je sais pas. Je pense que ça, je pense qu'on ne saura jamais. C'est vraiment plein de situations qui sont arrivées. Je pense que. Ils ont eu confiance en moi, puis j'apprécie beaucoup. J'aimerais ça toutes les remercier, toute l'équipe du One qui ont vraiment fait un travail parfait. Je pense que l'autre roue allait super bien. J'ai passé à la balance, c'était une bonne nouvelle. Puis tout le monde était vraiment gentil, tout le monde était vraiment smart. C'était juste vraiment, vraiment le fun. J'ai eu beaucoup de plaisir. Je m'attendais pas à ça. Ça s'est tellement fait vite. Disons que c'était pas parfait en time trial. Je n'étais pas super bien dans le banc. On ne voyait pas totalement en avant. Puis ça, le box steering n'était pas placé correctement. Mais en qualification, on a tout replacé ça. Puis pendant que moi, j'étais parti faire mes time trials, ils ont tout fait ça. Fait que je suis revenu, je me suis assis dans le char. J'étais embarqué, puis le char allait super bien. Je voyais en avant. Fait qu'on a réussi à faire une bonne qualif. Malheureusement, la pluie est venue interrompre ce programme-là. Qui va être repris en avril. Donc, est-ce que je vais rembarquer ou pas, on ne sait pas encore. Ça n'a pas été discuté. Mais je suis vraiment content. J'ai peut-être juste fait 13 tours de modifié, mais je vais m'en rappeler longtemps. C'était vraiment juste une expérience incroyable. Quand ça sort un peu de l'ordinaire, parce qu'évidemment, tu portes les couleurs de Robert Bernard en pneus mécaniques, on le sait que tu es destiné éventuellement à embarquer dans un modifié préparé par grand-papa Jocelyn. Quelle a été la réaction de grand-papa en lien avec ça? Premièrement, est-ce qu'il l'a su ou ça s'est fait trop rapidement, t'as embarqué dans l'auto sans poser trop de questions? Non, c'est ça. J'ai pas eu le temps d'appeler Jocelyn, malheureusement. Ça s'est fait tellement vite que on a juste parlé. Dans le fond, il l'a su à cause des gars de course. C'est sûr qu'au début, je pense qu'il était pas super content. Je pense que c'est normal. Il aurait aimé ça que ma première fois soit dans un bolide de Robert Bernard, mais en même temps, je pense qu'il a super compris, puis il est fier de moi, puis il est fier que c'est quand même quelque chose de gros, embarqué pour l'équipe du One à 17 ans, une course,
c'était spécial. Puis je pense qu'il a compris ça. Puis on a discuté, puis tout est beau. Il n'y a pas de problème, puis il n'est pas fâché après personne. Puis il est juste content pour moi que j'ai pu vivre mon rêve comme ça. Comme je t'ai dit, j'en reviens pas encore. Puis ça fait deux jours. Ouais, c'est ça. Tu as complété une excellente saison. Le compteur de victoires, 11, 12 victoires? 11. 11, ok. Ouais. Quand même très, très bien. La dernière fois qu'on t'a reçu, je pense que c'était rendu à 8 ou 9 ici en studio, puis tu nous avais dit, regarde, moi, je veux pas brûler les étapes. Le modifié, ça arrivera en temps et lieu. L'année prochaine, c'est sûr que je suis en sportsman. Je veux avoir du plaisir, faire un maximum de courses. Là, ce qui s'est passé en fin de semaine, ça change pas les plans? Non, pas du tout. Je pense qu'on va se préparer pour une de nos plus grosses années en carrière, c'est certain. On va faire on espère que les douanes soient ouvertes pour vraiment aller se promener puis vraiment montrer qu'on a du potentiel. Ça va être vraiment ma plus grosse saison. On va arriver plus que prêt, comme jamais. On va passer un hiver avec beaucoup, beaucoup de travail. Je veux vraiment arriver là, avec une voiture super compétitive, avec du bon stock pour que les bris le plus possible éviter. Je pense que cette année, on a peut-être un peu cheapé sur des affaires qui nous ont... Tu sais, quand on a flippé, il y a des affaires qui ont brisé puis ouais, qui nous ont revenu d'en face après. Fait que je pense que l'année prochaine, ça va être vraiment d'être préparé vraiment beaucoup. Nos plans présentement, c'est pas certain, mais dans mes choses que j'aimerais faire, c'est certain, ça serait toutes les pistes au Québec réguliers. On va tenter d'aller chercher un premier championnat à Granby, mm-hmm, aller rechercher un championnat à Drummond, puis si on est finalement capable de courser à Saint-Marcel, ben aller essayer de gagner à Saint-Marcel, c'est sûr. Puis Cornwall, je pense que ça reste un de mes plans présentement, de faire une saison complète là-bas. Okay. C'est pas si loin que ça. On est allé, je pense que j'en ai manqué 4 cette année. Fait que faut peut-être aussi penser que la série Dirt Sportsman va revenir aussi. Exactement. Fait que si la série Dirt commence, il y a la série Nord qui est plus dans notre, ouais, dans notre coin, que c'est sûr qu'on va se lancer pour essayer de gagner ça. Mais sinon, un autre de nos plans, ça à discuter, mais un de mes rêves, ça serait vraiment de faire la série centrale qui est toutes les grosses pistes. On ira à Weedsport, à Broughton. La grosse compétition. Exactement. Vraiment la grosse série. C'est comme, mettons, la série Gros Bloc des Sportsmen. Mm-hmm. Fait que ça, tous les meilleurs gars sont là. Cette année, c'est Jensuk qui a gagné ça. C'est le gars qui a le plus de victoires cette année en Sportsman. Fait que je pense que c'est vraiment dans nos plans, mais on est content de notre saison qu'on a eue. Vraiment, je pense que à part quelques bad luck, puis surtout un début d'année qui n'a pas été parfait, mais quand ça a parti pour vrai, c'était une victoire par fin de semaine, puis on n'a pas à se plaindre parce que vraiment, là, l'auto était juste incroyable tout le temps. On a travaillé fort une grosse été. On a fini avec le compteur parce qu'on n'a pas coursé dimanche à 44 courses. C'est ma plus grosse saison. Puis ça commence en retard. Ouais, c'est ça. 43 courses ma première année qui était une saison sans COVID. 44, une saison COVID qu'on a commencé fin mai. Mm-hmm. Très content. J'aimerais remercier tous mes commanditaires qui m'ont supporté. J'ai un nouveau commanditaire aussi qui vient d'arriver. Merci à Samuel Saint-Denis qui m'a commandité. Ça s'est réglé à Cornwall. Fait qu'une belle commandite pour moi, un nouveau commanditaire. On en cherche encore. Si vous avez des entreprises, vous voulez aider un jeune à vivre ses rêves, ça serait très apprécié. Peu importe le montant, on accepte tout. Puis j'aimerais remercier aussi tous les gens qui sont venus m'aider. Un merci spécial à Mathéo. Mathéo, sans lui, je te confirme que cette année, je ne coursais pas comme j'ai coursé. Regarde-moi ça, la belle équipe. Les Young Guns de la Terre battue. Notre trip à Humberstone. Mathéo, comme je t'ai dit, c'est grâce à lui vraiment que j'ai eu une saison comme ça. Il m'a suivi partout, a pris des congés d'école. Merci à Sama aussi de l'avoir laissé partir des fois. Il a pris des congés d'école, des congés de travail. Aussi, il y avait Yanni... qui est comme le gars de pneu de l'équipe à Steve Evan qui m'a aidé tout l'été. Ça m'a vraiment aidé aussi avec mes pneus. Merci à Dono qui est venu quand il ne coursait pas. On a eu Dono avec nous qui m'a supporté. Fait que on est vraiment contents de notre saison. On a travaillé fort, ça a valu la peine. Puis on va se préparer, comme je t'ai dit, pour une saison
qui vise d'être assez immense. L'appel est lancé, un gars qui veut courser, un vrai de vrai racer, qui va être dans le paysage pour encore bien bien longtemps. Will, merci d'être venu nous voir, je te cède l'antenne, parce qu'au retour, c'est ton grand chum Dono vient s'asseoir dans le segment Bouquesco. Vous allez apprendre des affaires, c'est sûr et certain, parce que deux chums qui se parlent, d'habitude, c'est une coupe de niaiserie. Puis en plus, vous risquez d'apprendre des affaires en exclusivité pour les plans des deux boys la saison prochaine. Alors, Marcotte s'en va, place à Will, qui s'installe avec Donovan, le gambler, Lucien, Dono Racing pour les intimes. Ça s'en vient dans quelques instants.